quelque chose qui nous intéresse évidemment. C'est une entreprise française, il en va de notre responsabilité de savoir ce qui s'y passe. Donc Madame la ministre des Armées ne connaissait pas cette question, donc je me permets de venir vers vous. C'est un énorme site qui appartient en particulier à Total. En tout cas, Total le détient à 39%. Et des soldats émiratis en ont fait une prison dans laquelle il y a de la torture, semble-t-il. Que pensez-vous, par ailleurs, de la proposition d'un certain nombre d'ONG d'une plus stricte régulation des ventes d'armes et notamment d'une application plus scrupuleuse du traité de 2014 sur le commerce des armes, prohibant les livraisons qui pourraient déboucher sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides ou encore la répression de populations civiles ?